on se retrouve dans un nouveau vlog de Noël. Je suis si contente. Je vous préviens, ce sera quand même un vlog assez chill parce que voilà, j'ai envie quand même de profiter à fond de la période de Noël, je pense que vous comprenez. On a fait les 3 heures de route, on vient d'arriver chez Léo. Ce soir c'est le 24, je le fais donc chez Léo, et demain le 25 je le ferai avec ma famille, donc il y aura Léo aussi avec nous. Donc écoutez, je suis actuellement dans la salle de bain, je vais préparer, je vais vous montrer mon petit make-up, ma tenue, mes cheveux pour le réveillon. On se retrouve juste après ma douche. Bon les amis, on va passer à la préparation. Donc ce soir j'ai décidé de me boucler les cheveux. Tout le monde, it's a family. Tu es si fort et si fragile. Bon les amis, j'ai mis actuellement moins de 15 minutes. Donc là, je vais venir un peu les détacher. J'aime trop. Bon, écoutez, on va passer à la phase make-up. Yeah, I'm ready. I'm ready. Hey, yeah. Hey, please don't make me. Please don't make me shoot this bitch up. I bought bottles to the club, I'm finna juice this bitch up. Oh yeah, I'm ready. Ay, double cup empty, juice got me stuck. I can't a party, I can't a fest. Nigga, I don't get no fuss, that's why I'm ready. Bitch, call him about some money, don't be petty, I got plenty. Send me automatic, don't you tempt me, it get deadly. Hustling on the block, breaking jaws like I'm Eddie. Got a bad bitch. Bon voilà les gars pour le look final, je sais même pas si vous voyez bien, franchement les boucles je kiffe. Je vais choisir ma petite tenue bien sûr avec vous et puis voilà, je sais pas quoi dire. T'as même pas dit bonjour aujourd'hui. Tu vas te faire beau quand même pour Noël, tu vas te changer, tu vas pas garder le même tenue que la voiture mon chat. Non, non. Bon du coup les gars, j'ai décidé de mettre ma belle robe que je vous avais présentée déjà dans un précédent haul qui est chez Naked, avec vous savez le dos totalement détaché comme ça, franchement je la trouve trop canon. Voilà la tenue. Léo il est pas fan de la tenue, ça me gave, j'ai l'impression que je passe ma vie en pyjama. Il remarque pas, pour une fois que j'essaie de me faire jolie, il n'aime pas. Je vais mettre les chaussures, je vais vous montrer la tenue terminée. Et voilà. La robe je vous l'ai déjà montrée mais voilà. Derrière c'est comme ça. Du coup j'ai mis les Stradivarius, le dupe d'Estella McCartney. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis prête pour aller manger plein de foie gras. Et boire le champagne quand même. On en a pas. Ah. Tant que le muscle résiste, c'est quand même. Attends, je vais te montrer. Tu vois, comme ça tu vas pouvoir me couper le bras en direct. T'as coupé le muscle ? J'ai coupé le muscle. Oh là là, je me régalais. On a bien mangé. Oui. Je suis pleine. C'est un beau plan en tout cas. C'est le moment où on met tous les cadeaux en bas du sapin. Des enfants du coup ça va être drôle parce qu'ils croient encore au Père Noël. Donc c'est parti. C'est Rhino Shield qui t'a sponsorisé la vidéo. Un jour j'espère. Elle est bonne celle-là. Hey les amis, on est le lendemain. Encore une fois, je parle pas trop fort parce qu'il n'y a pas que moi dans la maison. Ce soir c'était genre trop bien. J'ai été trop gâtée, je vous montrerai tous les cadeaux. Fin de journée je pense parce que là ce midi on va aller chez mes parents. Sinon hier on s'est couché vers 2h donc là je pense que ça se voit. Je suis KO. Je me suis préparée pour partir, il doit être 11h30. J'ai fait la même chose qu'hier au niveau du make-up. J'espère que vous avez passé un super bon réveillon de mon côté. Franchement c'était trop cool. Et je vais aller chez mes parents, j'ai trop hâte et je vous amène avec moi. On est arrivé. Et je vous ai pas...
montrer le kino. Ah oui. Oh mon amour. T'es une vraie star de cinéma, toi. C'est le chien à son papa. C'est à moi. C'est pour toi. Jérémy aussi. Encore. Regarde ce design. C'est la nouvelle. Voilà mon frère. Jeune cadre dynamique. Pour papa, ce c'est du ruinard. Ah, merci, du coup. Maman. Allez. Elle est magnifique. C'est une seconde peau. Je les ai vus, j'ai fait bon, ça c'est Jérémy, ça va lui plaire. Hein. C'est le cadeau que Léo a offert à maman. J'ai dit, donnez-moi les plus sympas. Oh là là. Ouais, le coffret il est fini. C'est un super, super lisseur ça. C'est Charlotte Tilbury, c'est la marque que moi je porte. Il y a le crayon avec qui a sorti. Je pense que ça va te plaire la couleur. Oui, je pense, oui. Super. Part de mon frère, j'ai une belle bouteille de blanc de blanc. Ouais. Jérémy Estelle, il faut pas te choquer. Ça c'est pour Jérémy. Jérémy, c'est le tout petit, moi c'est le grand. Et ça, c'est Estelle et Léo. Ah, moi, tout seul, toi tout seul, bah oui. Ouh là là. Papa m'a dit, c'est ce qu'il veut. Magnifique. Ouais. Estelle. Oui. Tu laisses préciser. J'ai 35 ans. Donc c'est bien précisé, Estelle et Léo. Là, tu vas pouvoir nettoyer. T'as mis les scissors. Le cadeau, papa, ici, il n'est pas arrivé. Il y en avait un autre encore. Et oui. Et oui, il y a les enceintes. On a mangé du foie gras. Didier se régale. Il est beaucoup plus. Là, c'est une très grosse bûche. Parfait. Regarde comme t'es content d'être là. Je prends la moitié, les gars. Beau regard. Beau regard. Il a plus de muscles dans le cou que dans le reste du corps. C'est un chien d'attaque. Je te déguise en pitbull le soir. Oh là là. Bon. Dommage, elle est un peu cassée. Hein. Il est content ce petit rat. Petit rat de l'opéra. Bah, apparemment, on ne boit pas d'eau chez les Cotresses. Bon les amis, donc là il est genre 17h, donc comme vous avez vu hier on a fait le 24 chez les parents de Léo comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Là on a fait le 25 avec ma famille, je vous ai mis des petits extraits, c'était trop cool, on s'est régalé. Donc là on s'est dit que c'était le moment de vous montrer un petit peu nos cadeaux qu'on s'est fait à nous. C'est pas du tout pour montrer, faire une quelconque démonstration d'argent etc. C'est juste qu'avec Léo c'est vrai qu'on se fait des cadeaux, des jolis cadeaux deux fois dans l'année pour l'anniversaire et pour Noël. Et sachant que bon là on est quand même dans une période de Covid, on peut pas forcément partir en vacances etc. Donc forcément on s'est acheté du matériel. Qui c'est qui commence à présenter? C'est un pull que m'a acheté ma mère. Ça c'est sa mère qui lui a acheté, il est trop joli. Voilà, il est assez court. Sympa. Ça c'est ce que m'a acheté Estelle en dessous. Du coup c'est la marque Ambush, genre je l'ai acheté sur Farfetch celui-là. Et c'est une marque qui arrive pas mal en France, c'est japonais il me semble. Et c'est un peu le truc tendance. Voilà, pareil, il y a tout dans le dos. Ouais, je trouve que la couleur elle est trop bien, enfin je trouve qu'il est très très beau. Et un petit peu avec une petite clé. Allez, on est tour. Vous savez, je pense que je kiffe les bijoux. J'aime bien les bijoux de qualité qui peuvent rester dans le temps, etc. Ces petites boucles d'oreilles en H de chez Hermès, elles sont en rose poudré un petit peu. Et elles sont plaquées or rose. Enfin, franchement, je les trouve trop jolies. Puis je pense que ça va être des boucles d'oreilles que je vais garder tout le temps sur moi. Quand je mets pas des grosses boucles pour sortir etc, je trouve que ça fait c'est super mime. Et le deuxième petit cadeau de Didier, c'est Courrèges. Bon ça c'est un peu de plus en plus connu quand même. Donc c'est une super vieille marque française qui à un moment donné s'est un peu effondrée. Un nouveau directeur artistique qui est arrivé chez Courrèges et qui a donc relancé la marque. Je vais vous montrer, c'est magnifique. Donc c'est le petit blouson en vinyle comme ça, blanc cassé avec le petit logo Courrèges juste ici et le col montant comme ça. Bon là ça va pas trop avec ce que je porte mais j'aime beaucoup trop. Elle est trop jolie je trouve. Vous voyez le petit détail comme ça avec le petit logo, les petits boutons, c'est assez crop top en plus. Je marche sur ma robe à chaque fois, tac, ça m'arrive vraiment ici. Et puis c'est vraiment une pièce iconique, un peu, voilà, c'est une belle pièce qu'on a dans sa garde-robe, donc je suis vraiment contente. Bon les amis, cette petite vidéo touche à sa fin, donc là je suis chez mes parents, je fume tranquille avant de vous quitter. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, c'est le plus important à mes yeux. En tout cas moi j'ai trop kiffé vous partager un petit peu mon Noël à moi. J'espère que vous avez grave pris plaisir à être avec ma famille, avec celle de Léo, à nous accompagner. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à commenter cette vidéo parce que vous savez ça me soutient énormément et puis ça me fait trop plaisir de voir que vous appréciez le contenu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous avoue que là vu que je suis
suis pas à la maison, c'est un peu plus délicat pour moi de filmer. En tout cas, bien sûr, je vous tiens au courant sur Instagram de les sorties des vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir un peu plus de news sur tout ce qui va se passer ensuite. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ciao!